La fiancée américaine, c'est le titre d'un roman qui fait sensation en ce moment au Québec, une saga familiale sur 4 générations. La famille La Montagne de Rivière-du-Loup nous accueille chez elle. Ça commence autour de la Première Guerre mondiale et ça va jusqu'à l'an 2000. Son auteur est avec nous dans 64 minutes. Bonsoir à vous Éric Dupont. Bienvenue à vous sur TV5 Monde. La fiancée américaine, c'est aux éditions du Toucan. Vous avez reçu le prix des libraires du Québec 2013. Alors, c'est votre premier roman. Comment expliquez-vous un tel succès? En fait, c'est le 4e roman au Québec, mais c'est le 1er roman publié en France. Comment j'explique un tel succès? Ben, c'est tout simple, c'est que les lecteurs québécois ont adoré l'univers que ce livre présente. Ils ont adoré y habiter. Ils proposent un monde qu'ils ne veulent plus quitter. Voilà. Et je pense que c'est ça. Alors, les critiques évoquent tout de même le fameux « 100 ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez. Je vous vois sourire. Ils ne tarissent pas d'éloges, les journalistes québécois. Non, je sais. Mais il faut prendre ces compliments avec humilité. C'est sûr et certain que Gabriel Garcia Marquez va toujours rester un modèle d'écriture. Je pense que là où les lecteurs reconnaissent 100 ans de solitude, c'est dans le foisonnement, dans la truculence des personnages aussi. Et par le fait aussi qu'il y a des interventions du réalisme magique dans le roman. Par exemple, des gens qu'on croit morts, mais qui ne meurent pas, qui se lèvent de leur cercueil, sans que ça cause nécessairement de surprise dans leur entourage, et qui continuent de vivre parmi les vivants, à les conseiller, etc., jusqu'à leur disparition finale. Alors, je vais lire un extrait de La fiancée américaine, loin d'évoquer la grâce du vol des anges. Son visage rappelait plus l'effondrement du mur de Jéricho que l'annonce faite à Marie quant à sa voix. Un filet rauque émis par une gorge grise et ridée où l'eût cru sorti d'un trou profond et fumant sur une terre dévastée. Alors les journalistes vous définissent, dites-moi si je me trompe, comme un conteur qui fait du néo-terroir. Oui, je pense que je suis dans cette mouvance du néo-terroir. J'aime bien c'est... Qu'est-ce que c'est, au juste? Au Québec, ils appellent néo-terroir toute cette mouvance littéraire qui rappelle notre passé de conteur, qui va puiser dans nos racines, dans nos anciennes histoires, pour les présenter de manière moderne, de manière actuelle. Et c'est pour ça qu'on a mis le préfixe néo devant terroir. Et terroir, ben, ça renvoie le livre d'où il est venu, d'où il est parti, c'est-à-dire de Rivière-du-Loup. Alors, c'est l'histoire d'une famille étonnante, d'un clan de bûcherons, de croque-morts et d'entrepreneurs aussi. Un clan marqué par Madeleine pour l'éternité. Qui est cette femme, Éric Dupont? D'abord, il y a plusieurs Madeleines dans le roman, parce que cette famille, La Montagne, doit compter une Madeleine vivante à chaque génération. Ce qui pousse les hommes à épouser des Madeleines quand ils n'en ont pas dans leur famille, voilà. Oui. Et donc c'est ça. Mais il y a cette femme, ça s'articule autour de cette femme qui vient un beau jour de 1900 du New Hampshire. En fait, ce qui arrive, c'est que Madeleine, la mère, la matriarche de la famille, fait rédiger une lettre par le curé parce qu'elle ne sait pas écrire. Elle a besoin d'une épouse pour son fils aîné, Louis Benjamin. Elle met une photo dans l'enveloppe et elle envoie la lettre aux États-Unis dans une famille. Et pour toute réponse, arrive cette femme, cette fiancée américaine qui s'appelle Madeleine. Et d'ailleurs, elle devait s'appeler Madeleine, autrement elle n'aurait aucune chance. Et elle arrive à Rivière-du-Loup et c'est comme ça que l'histoire commence. Elle arrive avec son talent de... De cuisinière, bien sûr. Parce que quand elle arrive à Rivière-du-Loup, voyez-vous, le problème, c'est qu'elle parle pas français. Ouais. C'est une étrangère, les gens sont méfiants. Donc elle décide de les gagner par le ventre, en commençant par le curé. Pourquoi le gâteau renversé à l'ananas? C'est vrai ça? On en mange au Québec ou... Oui, c'est un dessert très commun. En fait, quand je faisais ma recherche, j'avais besoin d'un... Il me fallait un dessert très commun dans les réfectoires des couvents, chez les religieuses. Et il n'y a rien de plus commun qu'un gâteau renversé à l'ananas chez les religieuses. 7 ans de recherche, vraiment? Oui. Alors, vous nous emmenez en Allemagne, notamment en Europe. Donc, est-ce qu'au fond, ce n'est pas aussi cette image du Québec tiraillée entre le vieux et le nouveau continent? Tiraillé, oui, mais je pense aussi que c'est une nouvelle direction que la littérature québécoise prend. Elle prend son envol, elle quitte le terroir, elle va partir de Rivière-du-Loup parce que, bon, le Rivière-du-Loup, c'est le premier tiers du livre. Après, il y a l'Allemagne, il y a Rome, il y a l'Italie, il y a Toronto, etc. De sorte que le lecteur voyage beaucoup dans ce livre. Alors, en quelques mots, les indépendantistes, on en parle à l'instant, viennent de perdre un défait historique aux législatives québécoises. Est-ce la fin d'un rêve, Éric Dupont? C'est la fin d'une élection. Voilà. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Éric Dupont. La fiancée américaine, édition du Toucan. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes.